Shake a bum bum on the boat. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc un Getting Ready. C'est le premier que je fais dans mon nouvel appartement, donc c'est pour aller à la salle de sport. Donc première chose, je range tout ce qu'on a mangé à midi, je sors de mon canapé. Bon, normalement je reste pas trop longtemps non plus. Ensuite je vais chercher ce qu'il me faut, donc leggings de sport, voilà, j'en ai plutôt pas mal. Ensuite je prends un sweat que je vais mettre par dessus parce que généralement j'y vais en brassière, donc on va éviter de se balader en brassière par ce temps et dans la rue. Hein. Donc je mets 10 ans à choisir parce que je sais pas quel gris va mieux avec le gris de mon legging et puis lequel je veux mettre. Mais bon, finalement j'ai fait mon choix, donc voilà, hop, c'est pas le meilleur gris, mais on s'en fout. Donc j'enfile mon sweat par dessus. Donc c'est un sweat rad, j'ai un code promo de moins 20%, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, je l'aime trop ce sweat. Ensuite, hop, dans la table basse, il y a plein de bonnes petites choses. On dirait que je suis sponsorisée par MyProtein, mais non. Donc des fois, j'utilise ce booster de Woman's Best qui est trop bon. Donc ça vous met un coup de peps avant le sport. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre celui-ci qui est saveur thé pêche. Il est trop bon et donc dedans, il y a de la caféine et plein de bonnes choses. Et ça vous met en forme pour aller à votre séance. Ensuite, donc voilà, je mets avec de l'eau. Normalement, ils disent de mettre 6 cuillères, mais j'en mets que 3. Sinon, après, je reste là en forme jusqu'à 3h du matin. On mélange le tout. Et hop, c'est prêt. Ensuite, je bois ça. Donc, il faut le boire, je sais plus, 15-20 minutes avant le sport, il me semble. Je le bois chez moi et ensuite, le temps d'aller à la salle, c'est nickel. Je laisse tremper ça. Et ensuite, je me lave les dents parce que j'ai l'impression que ça allait se... comme des un peu pâteux en bouche, enfin farineux, c'est très bizarre. Et puis de toute façon j'ai mangé avant donc je me lave les dents quoi, normal. Ensuite du déo bien sûr parce que on va faire du sport quand même. Et je me mets du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Donc voilà, c'est pas forcément le truc à faire pour le sport mais voilà. Ensuite, je vais prendre mon sac de sport, c'est toujours mieux parce que j'ai pas mal d'affaires. Mais bon, maintenant que j'habite plus très loin de la salle, je ne me douche plus à la salle. Mais bon, j'ai toujours mes affaires au cas où, sauf la serviette de douche, je la prends pas parce que je sais que je rentre me doucher chez moi. Je remplis ma bouteille d'eau parce que boire pendant qu'on fait du sport, c'est très important. Donc pendant, avant, après, tout le temps quoi. Ensuite, je vérifie que j'ai bien ma carte de ma salle de sport et mon cadenas pour pouvoir ranger mon sac. Ensuite j'ajoute mes clés de voiture, enfin ma carte de voiture, mes écouteurs et mon chargeur, donc là mon portable branché à ma batterie parce que j'avais plus trop de batterie sur mon téléphone. Et hop, mon sac est prêt. Ensuite je vais mettre mes chaussures, donc c'est les Nike Free 5.0, si vous me demandez elles sont un peu sales parce que quand je vais en stage souvent je les mets et je me garde dans des graviers, quand c'est mouillé ça salit un peu les chaussures. Ensuite, toujours avant de partir de chez moi, je ferme les volets parce qu'on est au rez-de-chaussée. Et voilà, la vue sur tout ce qu'on a, bof bof. Et ensuite, voilà, c'est terminé. C'était assez rapide, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez la routine après la salle, ce sera avec plaisir. Dites-moi en commentaire. Gros bisous!